Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. Au sujet du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a condamné le projet du Royaume-Uni de fournir à l'Ukraine des munitions qui contiendraient de l'uranium appauvri. Monsieur Poutine affirme que Moscou serait contraint de réagir en conséquence si l'Occident commençait à utiliser des armes à composantes nucléaires. En début de semaine, la ministre d'État britannique de la Défense, Annabel Coldy, a déclaré que certaines munitions envoyées à l'Ukraine comprenaient des balles perforantes contenant de l'uranium appauvri. Et ces munitions sont destinées aux chars de combat Challenger 2. Les Nations Unies ont mis en garde contre l'utilisation d'armes contenant de l'uranium appauvri, affirmant que cela aurait de graves conséquences. Le président chinois Xi Jinping était en Russie depuis lundi pour offrir son soutien au Kremlin et présenter son plan de paix pour l'Ukraine. Mais ce plan en 12 points, qui ne condamne pas l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, n'a pas convaincu Kiev et ses alliés. Pour Washington, la Chine ne peut prétendre être impartiale sur la question ukrainienne. So now if China wants to play a constructive role here in this conflict, then they ought to press Russia to pull its troops out of Ukraine and Ukrainian sovereign territory. They should urge President Putin to cease bombing cities, hospitals and schools, to stop the war crimes and the atrocities and end the war today. It could happen right now. Pendant ce temps, le premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré le président Volodymyr Zelensky lors d'une visite surprise. Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du G7 à ne pas encore être allé à Kiev depuis l'invasion russe. Lors de la conférence de presse, le président Zelensky a déclaré qu'il avait invité la Chine à entamer des discussions. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont loué mardi l'entrée dans une nouvelle ère de leurs relations spéciales face aux Occidentaux. Le président russe a affirmé soutenir le plan chinois pour régler le conflit en Ukraine, tout en accusant Kiev de le rejeter. Je pense que nos relations sont bonnes en ce moment, et j'espère qu'elles le seront aussi à l'avenir. J'espère que notre collaboration économique sera fructueuse et productive, et bénéfique pour les deux parties. La Chine est connue pour sa production. Tout ce que tout le monde porte et utilise dans le monde est fabriqué en Chine. Nous ne pouvons pas imaginer la vie sans leur production. J'espère que nos relations resteront bonnes. Sinon, je ne sais pas ce que nous ferions sans eux. La Chine est un pays magnifique et amical. Notre attitude à l'égard de la Chine est favorable. Nous ne voulons rien changer. Et si nous travaillons ensemble sur ce point, tout ira bien dans nos relations. Nous espérons avoir un avenir avec la Chine. Nous serons amis. Rigoureuse, saine et stable, c'est avec ces adjectifs que Xi Jinping a défini les relations sino-russes actuelles après une série d'entretiens avec le dirigeant russe Vladimir Poutine ce mardi. Les deux parties ont également signé plusieurs documents très importants de portée diplomatique et économique, soutenant une coopération accrue face à l'hégémonie américaine. La Russie est un stratégique поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ. Угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики. Poutine a également déclaré que la Russie était prête à aider Pékin en remplaçant les entreprises occidentales qui ont quitté la Russie à cause de la guerre en Ukraine par des groupes chinois. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Jusqu'au bout, il consulte son téléphone pour remettre à jour sa chronique. Vincent, les États-Unis ont inauguré hier leur première garnison permanente en Pologne.
Oui, 10 000 soldats américains sont déjà déployés en Pologne, qui est devenue la base arrière de l'Ukraine en guerre, c'est-à-dire la plateforme logistique par laquelle transite l'aide massive, mais aussi l'arsenal, les ateliers de réparation pour le matériel usé par les combats, des centres d'entraînement pour la troupe et un puissant porte-voix de la propagande otanienne. En plus, donc, elle abritera désormais le QG du 5e corps de l'armée américaine. C'est une consécration pour le pays à la tête du peloton des Atlantistes sans complexe. Le ministre polonais de la Défense est fier. Le soutien aux forces terrestres américaines sur le flanc oriental de l'OTAN sera coordonné chez nous. Ça veut dire que de la mer Baltique à la mer Noire, l'OTAN a déroulé un rideau de barbelés face à la Russie et que le Mirador est en Pologne. C'est le symbole du basculement de l'Europe. Vous pensez que le centre de gravité de l'Europe est passé à l'Est ? La Pologne met les bouchées doubles pour forger l'armée la plus puissante d'Europe. L'an dernier, elle y a consacré 2,5% de son PIB à sa défense. C'est un record. Cette année, c'est 4%. Varsovie a acheté des Abrams américains par centaines, un millier de chars coréens, presque autant de canons autopropulsés, des Patriot, des HIMARS, des chasseurs F-35. Un inventaire qui fait rêver tous les chefs d'état-major, notamment à Paris. À terme, la Pologne aura plus de blindés, plus de chars que la France, pas un peu plus, pas deux fois plus, sept fois plus. Ah oui. Vous me direz que ça ne remplace pas l'expérience du combat. Les Polonais n'en ont aucune, à part supplétifs en Irak et en Afghanistan, mais leurs voisins ukrainiens ont de l'expérience désormais pour deux. Ensemble, ils comptent faire contrepoids au tandem franco-allemand, accusé de naïveté face à la Russie, pour ne pas dire de lâcheté. Il faut voir comment Varsovie a forcé la main de l'Allemagne, l'obligeant à accepter la livraison de chars Léopard. Il y a une semaine bis repetita avec la livraison de MiG-29. La vieille Europe est mise devant le fait accompli. La Pologne est prête à toutes les escalades. C'est la revanche des passagers montés tardivement dans le train européen que l'on cantonnait en seconde classe et qui ont pris le contrôle de la locomotive. Est-ce que de ce côté va-t-en-guerre des Polonais, Vincent, peut saper l'unité des Européens? Eh bien, c'est le contraire. Les MiG-29 ne changent rien sur le plan tactique, les défenses antiaériennes russes sont solides, mais l'escalade permet de maintenir les membres de l'OTAN sous tension et elle ruine d'avance toute tentative de médiation. Il y a pile un mois, Joe Biden à Varsovie a annoncé la couleur « Nous ne lâcherons pas l'Ukraine et l'OTAN ne sera pas divisée ». La logique, c'est la guerre à perpétuité jusqu'à la défaite de Moscou. Les Polonais ne demandent qu'à castrer la Russie et à la démantibuler, ils seront enfin tranquilles. Ils croient à la confrontation inévitable. Leur ambassadeur à Paris l'a dit l'autre soir, si l'Ukraine échoue, nous n'aurons pas le choix, nous serons obligés de rentrer dans le conflit. Wow. Les Américains viennent de sceller un nouveau pacte de Varsovie. Il semble pire que l'ancien, c'est un pacte faustien. Si. Pékin et Moscou scellent leur rapprochement à l'occasion d'une déclaration commune. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont bien sûr parlé de la situation en Ukraine. La Chine propose toujours sa médiation pour sortir du conflit. Les deux dirigeants ont également célébré le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. L'initiative chinoise pour la paix en Ukraine est une base pour un règlement pacifique du conflit, a estimé Vladimir Poutine, qui a ajouté cependant que la balle est désormais dans le camp de Kiev et des Occidentaux, qu'il accuse de ne pas vouloir dialoguer avec lui. Le sommet sino-russe n'a débouché sur aucune avancée concrète concernant l'Ukraine, il a surtout servi à démontrer la solidité des relations entre les deux pays. Écoutez Xi Jinping, le président chinois, à l'issue de cette rencontre. Nous avons signé une déclaration commune pour approfondir notre partenariat global et notre engagement stratégique alors que nous entrons dans une nouvelle ère. Et une déclaration conjointe sur le plan de développement de la coopération économique sino-russe jusqu'en 2030. Et dans cette déclaration commune aux accents de guerre froide, les deux dirigeants ont aussi vivement attaqué l'Occident, accusant les États-Unis de saper la sécurité internationale et exprimant leurs préoccupations face à la présence croissante de l'OTAN en Asie. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Tandis que les leaders de la Chine et de la Russie se réunissaient ce mardi à Moscou, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a demandé à la Chine de ne pas soutenir la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine. Underline the importance of sovereignty, territorial integrity and independence. And of course any peace solution for Ukraine must be based on these principles.
L'OTAN a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve que la Chine livrait des armes létales à la Russie, mais Jens Stoltenberg a mis en garde la Chine contre la fourniture de ces armes à la Russie. Il a aussi signalé que les deux pays étaient de plus en plus proches. The meeting that takes place in Moscow is part of a pattern we have seen over the last years, where China and Russia are coming closer and closer. We have to remember that just a couple of weeks, or a few weeks before the invasion last February, President Xi and President Putin met in Beijing, where they signed a joint declaration promising each other a partnership without any limits. Jens Stoltenberg a présenté le rapport annuel de l'OTAN pour 2022 et a souligné que les dépenses en défense ont augmenté de 2,2% en termes réels. Il a confirmé que le processus d'adhésion de la Finlande serait conclu avant le sommet de l'OTAN en juillet, mais la Suède devrait attendre jusqu'après la tenue des élections en Turquie. L'Ukraine a particulièrement besoin de munitions de type soviétique que seule la Bulgarie, l'un des plus grands producteurs européens, peut lui fournir. Sofia l'a déjà fait, mais elle ne réitérera pas. Le président bulgare l'a redit ce mardi et précisé que son pays n'adhérait pas au plan de 2 milliards d'euros débloqué par l'Union européenne pour livrer des munitions à Kiev. Bulgarie ne soutient et ne est pas partie de la commande pour la livraison de munitions pour l'Ukraine. Bulgarie soutient европейски дипломатически усилия за възстановяване на мира. И докато управлява служебното правителство, България няма да предостави на Украина своите изтребители, нито своите зенитно-ракетни комплекси, нито танкове и бронетранспортери. Les dirigeants ukrainiens ont toutefois reçu un coup de pouce diplomatique de la part d'un puissant allié. En visite en Ukraine, le premier ministre japonais a réitéré le soutien de Tokyo à Kiev. En février dernier, le Japon avait déjà annoncé une nouvelle aide de plus de 5 milliards d'euros pour l'Ukraine. Il avait aussi envoyé des équipements défensifs et proposé d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Pour le président du Conseil européen, il est important que la Chine ne soutienne pas la Russie avec des équipements militaires, mais il pense que l'Europe doit garder les canaux ouverts avec Pékin. Dans une interview exclusive accordée à Euronews à la veille d'un sommet européen, Charles Michel a déclaré que le plan de paix de la Chine n'était pas une solution. I had this in-depth debate with President Xi. I am not naive. I know that there are close ties between China and Russia. But on the other hand, I think that in those circumstances, it is very clear that we need to engage with China, not because we agree on everything with China, on the contrary, but because we need to defend our interests and to defend our principles. So are you convinced by the peace plan that Beijing presented? This peace plan is not what we believe in, because we believe in the peace formula proposed by President Zelensky, which is based on the UN Charter, the international law, and the multilateral approach. Nous avons aussi interrogé Charles Michel sur l'économie et comment faire face aux conséquences de la guerre. L'interview en intégralité est à découvrir sur Euronews à 21h30. Avec l'engagement de plus en plus évident des puissances de l'OTAN qui transforment cette guerre d'un affrontement entre Russes et Ukrainiens à un affrontement entre la Russie et les pays de l'OTAN. Donc voilà. Nous sommes aujourd'hui sur une guerre qui est en train d'évoluer, qui pourrait d'ailleurs continuer à évoluer, en particulier si la Chine entrait de manière, je dirais, plus affirmée aux côtés de la Russie, elle décide cette intervention. D'abord, ça ressoude la société ukrainienne, ce qu'a expliqué Emmanuel. Ça permet à Zelensky de prendre des mesures extraordinairement autoritaires. Par exemple, l'interdiction de la totalité des partis pro-russes, y compris ceux qui appelaient à la mobilisation contre la Russie. Donc, de fait, c'est la captation du pouvoir ukrainien par les plus extrémistes des nationalistes, et ce sont des nationalistes, qui tiennent un discours qui aujourd'hui est un discours clairement identitaire. Hein? Je vous rappelle cette idée pourquoi il y a toute une série de femmes
qui demandent à leur mari qui part au front de faire congeler du sperme, parce qu'elles veulent des bébés authentiquement ukrainiens. Si elles disaient, c'est une preuve d'amour, si jamais tu meurs, je veux qu'il me reste une chose de toi, je pourrais le comprendre. Mais lisez bien l'argument qu'elles avancent. Elles veulent des bébés authentiquement ukrainiens. Il était annoncé pour dimanche 19 mars, mais finalement, quelques jours avant, le référendum sur la nouvelle constitution du Mali a été repoussé. À la place, ce lundi, le président de la transition a voulu relancer la préparation de cette consultation. C'est à des représentants de la société civile réunis au palais présidentiel qu'il s'est adressé. Il les charge de faire connaître ce texte. Les Maliennes et les Maliens de toutes les régions de notre pays et à l'extérieur ont besoin d'être informés sur les innovations et les avancées du projet de constitution. De fait, la version finale du projet de constitution n'a été remise au colonel Assimi Goïta que le 27 février dernier, soit moins d'un mois avant le scrutin. Un peu court pour étudier un texte qui doit présider au renouveau de la vie politique malienne. Il prévoit de renforcer largement les pouvoirs du président. Parmi les premières réactions à ce texte, les fermes réserves de la Limama, une organisation d'imams maliens refusant l'emploi du terme de laïcité. Nous devons travailler ensemble pour que le peuple malien, en toute connaissance de cause, s'approprie le projet de constitution et l'adopte à une large majorité. Le colonel Assimi Goïta n'a pas évoqué un autre problème de taille, la difficulté pour l'autorité de gestion des élections de mettre en place l'infrastructure du vote. D'autant qu'une large partie du territoire échappe au contrôle de l'État malien. Dernière étape au Japon, avec vous Bernard Delattre, les gros titres de la presse japonaise. Le harcèlement scolaire. Désormais, les écoles sont tenues de prévenir la police qui saisira d'office la justice. Les exemples donnés par la circulaire du ministère de l'Éducation en disent long sur la cruauté de nos enfants, s'effare le journal Tokyo Shimbun. Déculoter un autre élève à la piscine, par exemple, sera considéré comme un attentat à la pudeur. Cacher son cartable sera passible de poursuite pour vol. Et le forcer à manger un insecte mort ou une crotte de chien, mais oui, ce sera assimilé à un traitement inhumain et dégradant. La presse de droite salue cette criminalisation du harcèlement. 600 000 élèves en sont victimes, la peur doit changer de camp, écrit le Yomiuri. On dénombre plus de 500 suicides d'enfants par an, rappelle le Sankei. Mais pour les journaux de gauche Asahi et Mainichi, ce sont des psys et non des policiers qu'on doit envoyer dans les écoles. Et il faut alléger les horaires des enseignants, qui travaillent 60 heures par semaine, donc n'ont le temps ni de repérer les agresseurs, ni de venir en aide aux victimes. Un puissant tremblement de terre a frappé mardi soir l'Afghanistan et le Pakistan. Selon des bilans provisoires, au moins 12 personnes ont été tuées. L'épicentre du séisme de magnitude 6,5 a été localisé dans le nord-est de l'Afghanistan, près de la ville de Jorm, à la frontière avec le Pakistan et le Tadjikistan. À Kaboul et Islamabad, de nombreux habitants ont été pris de panique. Les séismes qui ont dévasté il y a moins de deux mois la Turquie et la Syrie sont dans tous les esprits. Malgré sa puissance, ce nouveau tremblement de terre a été relativement peu destructeur pour la région. Et puis on évoquait hier le 20e anniversaire de l'invasion américaine de l'Irak, c'était le 20 mars 2003. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée avec le départ des États-Unis. Ensuite, il y a eu la proclamation, vous le savez, par l'organisation terroriste État islamique d'un califat sur un tiers du territoire. Aujourd'hui, les djihadistes ont été vaincus, mais il reste encore leurs familles, des femmes, des enfants qui ont dû rebâtir une vie après la guerre. Envoyés spéciaux en Irak, Wilson Fash et Charles Thiéphane. Pendant trois ans, Mossoul, dans le nord de l'Irak, fut le bastion du groupe État islamique. Aujourd'hui, cet ancien bazar, situé en bordure de la ville, est un lieu de refuge pour les familles liées à l'organisation terroriste. Bienvenue chez moi. Là, il y a la cuisine et la salle de bain. Et ici, il y a le salon qui sert également de chambre. Depuis la fin de la guerre, Arlam et ses enfants vivent dans ce magasin aménagé en habitation. C'est elle, la chef de famille, depuis que son mari a été tué dans une frappe aérienne. Il était membre du groupe État islamique. J'aurais souhaité que mon mari choisisse une autre voie.
Tout le monde meurt un jour. Mais j'aurais préféré qu'il décède dans des circonstances normales. Au moins, nous aurions pu obtenir un peu plus de soutien. Et nous aurions pu organiser des funérailles avec une vraie tombe. Nous aurions pu lui rendre visite chaque semaine. La plupart de ces femmes ont un père, un frère ou un mari qui avait rejoint le groupe État islamique. Au départ, la cohabitation avec les habitants du quartier était plutôt compliquée. Certains résidents les tenaient pour responsables des crimes commis par l'organisation terroriste. Mais voilà plusieurs années maintenant que ces femmes vivent là et les habitants du quartier ont fini par accepter leur présence et même à leur venir en aide, comme aujourd'hui avec cette distribution de bouillottes électriques. Ce garçon et celui-ci, ce ne sont que des enfants. Leurs pères sont décédés ou sont en prison, mais quelle est la culpabilité de l'enfant? Peut-être qu'à l'avenir, l'un d'entre eux voudra devenir officier ou médecin, mais ils n'ont pas de papier en règle. Ils ne peuvent donc pas recevoir d'éducation. Demain, ils auront 20 ans. S'ils n'obtiennent pas un emploi correct, ils choisiront peut-être la même voie que leur père. En 20 ans, l'Irak n'a quasiment connu que la guerre et l'obscurantisme. Désormais, cette famille ose l'espoir. La paix semble enfin à portée de main. Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux du pays ? De la contestation des réservistes israéliens. Ils sont l'une des voix les plus importantes des manifestations pro-démocratie qui rythment le pays depuis 3 mois. Cette semaine, rapporte le Maariv, des centaines de membres d'unités d'élite ont arrêté de se présenter à leurs entraînements. Des milliers d'autres menacent de faire de même, rapporte le Yedioth Aharonot. Depuis des semaines, ils multiplient les pétitions contre la réforme de la justice du gouvernement Netanyahou et dénoncent une dérive autoritaire. Pilotes de chasse, agents des services de renseignement, des unités de cyberdéfense, l'armée israélienne repose en partie sur ses réservistes volontaires. Pour le quotidien à Haaretz, c'est dans les rangs de Tsahal une révolte inédite. Quand je parle du projet qui n'est pas seulement politique du président de l'autocrate Erdogan en Turquie, avec la conversion de Sainte-Sophie en mosquée, rappelez-vous, et ceux qui nous écoutent se rappellent des très faibles, des très maigres oppositions qu'il y a eu à ce moment-là. Il y a eu quelques phrases, on a dit que nous n'étions pas d'accord avec cette conversion, et point. Moi, je suis pas en train de dire qu'il n'avait pas raison de convertir Sainte-Sophie en mosquée, je suis en train de voir que de notre point de vue occidental, on a fait comme si c'était normal. Or, je suis allée lire et relire le discours à ce moment-là d'Erdogan et j'ai trouvé qu'il y avait une véritable, je le dénonce, hein, je suis pas en train de faire l'éloge, une construction, pas seulement en voulant se placer comme étant chef des musulmans, l'Oumma, mais en étant, en se voyant, en s'appréhendant comme étant un petit peu le guide du sacré. C'est-à-dire qu'il a touché à cette part irréductible de l'homme, alors selon lui de l'homme musulman, à laquelle nous ne parlons plus pour l'homme occidental. Donc combien de temps allons-nous voir cela se passer et défiler sous nos yeux sans y opposer des idées, un combat, toujours politique ou intellectuel, mais qui pour l'instant ne vient pas. C'est là où on entre dans la complexité quand même de la définition de ce qu'est le sacré, puisque Erdogan, est-ce que c'est du sacré ou est-ce que c'est du religieux, est-ce que c'est une instrumentalisation de la religion, écoutez, voire extrémiste. Bien sûr que c'est une instrumentalisation de sa part, bien sûr que c'est le fondamentalisme qui est à l'œuvre, mais enfin, il a lui-même a réussi dans son projet politique à inscrire l'homme dans une continuité que nous dans un grand récit que je dénonce dans le Boitumelon Gatlo a mis au point un traitement qui purifie les drainages miniers acides pour en faire de l'eau potable disponible. Selon lui, cette solution permettrait de résoudre les problèmes récurrents de pénurie d'eau en Afrique du Sud et notamment dans la région de Johannesburg qui compte 20% de la population du pays. So we have developed the prototype which is behind me where we use a waste material to treat acid mine drainage to drinking stage. So we will be solving two things, which is the availability of water, since you know that we have experienced in South Africa water restrictions. So this can serve about 1 million people. Au-delà de l'Afrique du Sud, c'est tout le continent qui cherche aujourd'hui à sécuriser un accès à de l'eau de qualité et à des prix d'exploitation raisonnables. Une problématique au cœur de la journée mondiale de l'eau organisée par les Nations Unies qui se déroule ce 22 mars. 190 millions d'enfants habitant dans 10 pays africains dont le Bénin, le Burkina Faso ou le Niger sont gravement menacés. Au niveau mondial, près de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies liées à l'eau et 2,2 milliards de personnes vivent sans accès à une ressource salubre.
Hello, glad to meet you, Steve Koenen. Oui, on est très très heureux de recevoir un scientifique. Vous savez, il y a des scientifiques, il y a des vrais scientifiques. Et puis, il y a ce que j'appellerais... allez, on va pas parler des médecins de plateau ou des généraux de plateau. Enfin, il y a des gens qui prétendent avoir réponse à tout et qui ne connaissent pas grand-chose. Il est professeur de physique à Caltech, California Institute of Technology, Stephen Koenen, et à l'Université de New York. Il est vraiment un des plus scientifiques les plus reconnus des États-Unis. Il est de passage à Paris pour présenter ce livre remarquable, passionnant, Climat, la part d'incertitude, parce que lui... Il a question à tout, vous savez ce que ça veut dire? Et il rappelle qu'en science, il y a une véritable vertu qui s'appelle le doute. Merci André, c'est un plaisir d'être avec vous. Moi je suis un scientifique et ça fait 50 ans que je fais de la science. C'est que pendant 15 ans, il s'est plongé donc dans ses études sur le climat. Et par rapport au discours dominant ou au discours majoritaire qu'on entend un peu partout en France, aux États-Unis, ailleurs, de Greta Thunberg jusqu'à un certain nombre d'auteurs, qu'est-ce qu'il a lui, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il a constaté et ce qu'on peut dire aujourd'hui de sur le climat qui ne soit pas sujet à caution comme d'habitude. There are a few things that are quite certain about the climate. Il y a un certain nombre de choses qui sont assez certaines. Par exemple, sur les dernières 120 années, les températures moyennes ont augmenté de 1,2 degrés. Ça, c'est assez certain. Another thing we can be quite certain of. Autre chose dont on est certain, c'est que les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et notamment le CO2, ont augmenté de façon importante et essentiellement pour des raisons liées au combustible, à l'utilisation de combustibles fossiles. And it's also quite certain everybody would agree. Et tout le monde serait également d'accord pour dire que cette augmentation des gaz à effet de serre a une influence sur le réchauffement, une certaine influence sur le réchauffement de la planète. But you can see. Mais il suffit de regarder la courbe exacte d'augmentation de la température pour constater que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Because even as the warming influence... Exact. Car alors même que cette influence, dont je disais qu'elle conduit au réchauffement, cette influence s'est fait sentir pendant un siècle entier, eh bien, le réchauffement, lui, n'est pas observé sur un siècle. So there is a long... sequence of inferences. Ça nous oblige à faire tout un tas de sauts logiques ou d'inférences, en tout cas. Cette accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui modifie le climat, déjà de quelle façon, le réchauffement, y a-t-il plus de cyclones, la fonte des glaces, et puis les villes noyées sous la mer. Et voilà. Ouais, et les océans. Et puis les conséquences de tout cela, à la fois sur les écosystèmes et plus important encore pour nous sur la société. Vague de migration, du climat, etc. And there is of course a et la grande incertitude, c'est surtout comment réagir à tout ça, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. But the notion that we are facing a catastrophe, a crisis. Mais l'idée que l'on puisse s'attendre à une catastrophe climatique, à une crise climatique, je ne dis même pas dans les 30 prochaines années, mais dans le siècle à venir, c'est quelque chose qui n'est pas justifié, étayé dans le rapport du GIEC. For example, if we look at the... Par exemple, on suppose un réchauffement de quelques degrés d'ici la fin de ce siècle, pour ce qui est de l'impact sur l'économie, le cinquième rapport du GIEC estime que cet impact serait de quelques points de pourcentage. And they say... Et le chapitre 10 dit qu'il y a bien d'autres choses, notamment les aspects technologiques, démographiques, commerciaux, les aspects de gouvernance, qui auront un impact beaucoup plus élevé sur l'économie mondiale. And 4 years ago or so, when I read that, it's in the back of the report, so most people. Et il y a 4 ans, quand j'ai trouvé ces informations, qu'en général les gens ne lisent pas parce que c'est à la toute fin du rapport, j'étais sidéré de lire ça. Et d'ailleurs, cette estimation a été confirmée ensuite par
par d'autres études. Et c'est ce qu'on appelle en américain un nothing burger. C'est un burger, mais il n'y a pas de viande dedans. C'est ça. C'est un sandwich où il y a deux bouts de pain, mais pas de viande. Yeah, right. So, yeah. If you know, you say we should follow the science. Ouais. Et puisqu'on nous dit qu'il faut suivre la science, et qu'on nous dit dans le même temps que le GIEC, ce sont les meilleurs scientifiques, la meilleure instance scientifique, eh bien, c'est cela que dit le GIEC, et pas autre chose. Science is a process. Je le disais tout à l'heure, la science est un processus qui permet de réduire l'incertitude. Et elle se fonde d'abord sur les données. Tout d'abord, ce sont les données, c'est l'observation de données naturelles. Alors, dans le cas qui nous intéresse, les températures, les précipitations, le niveau des océans, la glace. Et puis, ensuite, comprendre ces courbes, ces évolutions, à travers les lois physiques, par exemple, tout à l'heure nous parlions de la pomme de Newton. Voilà. Bien sûr. Je voudrais. Steve Koonin nous a parlé d'un exemple, par exemple, ce qui devait se passer au Pakistan, les inondations pakistanaises qui devaient avoir lieu. C'est un exemple qui illustrait une certaine manière de délire. So let me give you an example of how. The historical record of observations. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont les séries historiques de données sont ensuite, disons, dénaturées dans la présentation qu'en font les médias et les hommes politiques. So this past. Et quelques jours après, le ministre pakistanais de l'Environnement va voir les médias et dit ce sont les pires inondations que le pays ait vécues depuis 1961. Et tout ça est dû à l'influence humaine, au gaz à effet de serre, et vous, dans les pays riches, vous nous devez de l'argent. And as a scientist, when I hear... Et moi, évidemment, comme je suis scientifique, mon premier réflexe, quand j'entends quelqu'un qui me dit les pires depuis 1961, c'est d'aller voir ce qui s'est passé avant 1961. And fortunately, we have records. Et fort heureusement, pour la mousson, eh bien, nous avons des séries météorologiques qui remontent à 1850. Des observations. Ouais. Et il y a eu des moussons aussi graves, voire pires que celles-ci, il y a un siècle, quand les influences humaines étaient en réalité à peu près négligeables. Mais il y a trois choses qui ont rendu les choses... qui ont rendu la situation beaucoup plus grave cette année. C'est d'abord la population du Pakistan qui n'est plus du tout la même, le déboisement qui fait que l'eau a ruisselé très facilement depuis les montagnes, et puis le fait que les gens habitent dans des zones inondables aujourd'hui. So many of the disasters we hear about. Donc beaucoup des catastrophes dont on nous parle aujourd'hui ont des causes humaines, mais ces causes humaines n'ont rien à voir avec les gaz à effet de serre. Les propriétaires de véhicules équipés de systèmes permettant de manipuler leurs émissions, telles que ceux utilisés dans le scandale du Dieselgate, ont le droit d'être indemnisés. C'est le jugement rendu par la Cour européenne de justice dans le cadre d'une affaire opposant un particulier au groupe Mercedes-Benz. La Cour européenne facilite ainsi le dépôt de futures plaintes. Le plaignant réclame que l'entreprise l'indemnise pour les dommages liés à l'équipement inclus dans la voiture diesel qu'il a acheté avec un système illégal appelé fenêtre thermique. Ce système permet de contrôler l'épuration des gaz d'échappement des voitures selon la température extérieure. En juillet 2022, la justice européenne, dans un arrêt séparé, a jugé cette pratique illégale dans la plupart des cas. Mercedes-Benz a réagi en minimisant, expliquant que seul le préjudice réellement causé à l'acheteur est pris en compte. L'entreprise ajoute qu'il faut qu'il y ait un système d'invalidation illégale, ce qui est contesté dans le cas présent. Mais même si cette affaire porte sur un cas individuel, le dossier pourrait vraisemblablement concerner un grand nombre d'automobilistes. En attendant, le tribunal allemand qui a renvoyé cette affaire à la Cour européenne de justice devra décider de quelle manière appliquer le jugement rendu. Bonjour Sarah Menet. Bonjour. Les unes de la presse britannique.
Eh bien, ce matin, dans la presse britannique, on parle surtout de ce rapport accablant pour la Metropolitan Police de Londres. C'est ce qui monopolise toutes les unes. C'est un rapport indépendant qui avait été commissionné après le meurtre d'une londonienne par un policier et qui estime aujourd'hui que la police de Londres a laissé se développer en son sein des comportements sexistes, racistes et homophobes. À la une de l'Evening Standard, ce titre, Londres mérite mieux. Le journal The Guardian donne, lui, les détails de ce rapport de plus de 300 pages expliquant les comportements problématiques de certains agents. Un système, je cite, « brisé et pourri », résume de son côté le Daily Mail, quand le quotidien Le Daily Express a lui choisi de titrer sur ce qu'on peut désormais appeler une grave crise de confiance du public britannique à l'encontre de la police londonienne. Bonjour à tous. La préfecture réserve 11 stations pour les véhicules prioritaires. Hein. Voilà, hein, 11 pour l'ensemble du département et 3 pour la ville de Marseille, celle où je me trouve, quartier de Bonneveine, est déjà fermée à sec depuis plusieurs heures et c'est un balai incessant de personnel prioritaire comme le docteur Paoli qui trouve les grilles de la station baissées. Je dois aller faire mes visites ce matin et je peux pas les faire, mais je vais être obligé de décommander. Voilà, c'est le problème, c'est pour les malades. Moi, les malades ne peuvent pas s'arrêter d'être malades. Hein. 3 stations pour une ville comme Marseille, c'est assez? Ah non, c'est pas assez. Là. Vu le nombre d'infirmières, de kinés, de médecins... Faut les revoir, ces services prioritaires, faut les repenser. Ça, c'est impératif. J'ai déjà téléphoné 3 fois au Conseil de l'Ordre ce matin. Alors, les 2 autres stations de la ville sont prises d'assaut. Les quartiers concernés sont complètement saturés. Une est d'ailleurs en rupture partielle. Il faut dire que la liste des personnels prioritaires est assez longue, hein, entre les convoyeurs de fonds, l'aide à l'enfance, les services funéraires. Mais le problème, selon ce policier croisé à la pompe tout à l'heure, c'est que tout le monde eh bien, ne joue pas le jeu. Entre les gens qui sont prioritaires et les gens qui font le forcing pour prendre le gasoil quand même, on s'en sortira jamais. Il y en a qui essaient de forcer le passage, oui, qui sont pas prioritaires bien sûr. Et ils menacent bien entendu les caissiers qui sont, eux, ils peuvent pas faire la justice à eux seuls. Habituellement, il y a une patrouille de police qui fait les filtres. Mais bon, là, il y a personne, donc ça va être compliqué. Voilà, les contrôles en tout cas sont renforcés, hein, me dit-on, sur les autres stations marseillaises. Et peut-être une lueur d'espoir malgré tout. Il faut savoir que ces pompes sont censées être également prioritaires pour être ravitaillées. Merci beaucoup Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans les Bouches-du-Rhône. Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos.